Bon, hiki ujina utumi na kwanza, make uli maanani chena ita interview ila kongo. Sasa, hiki ujina utumi na kwa uchange chuna chifuto chibi ili kwanza wa banda. Kwa shande mimi na wandi ila. Kisha, make mwapasa vidu chibi ili uli chingi ujina utumi na tushi change chuna hacho. Watumilize mparti ya interview, hiki ujina ni first part ya interview. Nisi utumi na... Utumina nini chinge maki tuba udu tuba video chibi na utumina chichu chimo na shirusha tata meshi baka ni meshi wani la yini meshi ni wani lindo kenda ni wani mwe zandu shirusha tu meshi meshi waki wa bushi inge nisi utumina chinge udu chushi chantui sambiamu hapili sambia tuwa muna utumina picha tu shibi eh tute uwarasa mwenye wete asante. Oui, messieurs les journalistes de la Voix de Kivu, pour répondre à votre question de savoir notre impression, soit nos impressions sur le travail que nous venons de faire ici à Uvira, nos impressions sont d'une satisfaction, étant donné que les conclusions ou soit les recommandations que nous avons données, ce sont ça répond aux attentes de notre commune, de notre tribu. Et voilà pourquoi nous avons une satisfaction. Bien, à la question de la représentation, ce forum était constitué, à notre avis, d'un échantillon valablement représentatif de Babembe. Les députés nationaux, il y en avait. Il y avait les députés provinciaux, et notamment Honorable Matesso et dit Maison Escale, et honorable Limassi Malumbe et bien d'autres d'ailleurs pour céder. Je félicite et nous félicitons le travail qu'ils ont donné. Et les chefs de secteur, les chefs de groupement, sauf un qui a été chassé à cause de ce trahison. L'un des chefs de groupement a été chassé dans les assises de Babembe. Il s'agit de l'un des chefs de groupement du Tombwe. Le représentant des mutualités Muyambondo d'à travers le monde. Pour nous qui sommes venus de Kinshasa, secrétaire général, il y a qui sont venus de l'Australie, et de Bukavu, de Bujumbura, et d'Uvira même. Le professeur d'université, nous avons salué d'ailleurs, ce sont eux qui faisaient l'équipe pédagogique, le professeur Sadiki Gumbuka, le professeur Masoka et bien d'autres, professeur Bakari, eh bien c'était des têtes qui étaient là pour conduire et pour faire le travail pédagogique de l'équipe. Il y avait le religieux et donc la question de représentativité était tellement top. Peut-être ceux qui peuvent dire moi je n'ai pas été associé, bon je ne sais pas, c'est pour leurs raisons. Vous savez, tout le monde a besoin d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés, même si tout ce qui a été fait par les autres est vraiment appréciable. Bien. Pour les questions, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi nous nous sommes seulement attaqués à la commune rurale de Minembwe. C'est une commune pour nous qui a été inséré par tricherie, parce que même tous les rapports de l'Assemblée provinciale de Bukavu à cette époque, du Sud Kivu, n'avaient pas avalisé la commune rurale de Minembwe dans son rapport. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été inséré quelque part, d'où c'est par tricherie et anarchique. Et cette création, la création de cette entité, n'a pas commencé seulement par cette assemblée provinciale, soit par ce décret. Ça a commencé depuis des années 99, et par ce que nous avons accueilli. Vous voyez, à chaque fois que le Rwandais, les Banyarwanda, prenaient possession de la gestion du Kivu, soit du Sud Kivu, la première des choses, leur première visée, leur premier acte, c'était de se créer une entité propre qui pourra être, n'est-ce pas, identifiée comme l'entité de Banyarwanda.
voyez, alors pour nous avons demandé au gouvernement d'annuler, de supprimer cette commune de Minembwe, étant donné que c'est une commune qui est considérée par nous comme une prime pour récompenser les tueries, les massacres et autres dégâts causés par les Banyarwanda dans cet espace Fizitombwe. Vous nous avez aussi demandé pourquoi nous les appelons Banyarwanda alors que même les autorités de la RDC les appellent Banyamulenge. Bon, les autorités, il y a des autorités qui sont venues aujourd'hui, il y a d'autres autorités qui sont venues hier. Peut-être ils ont lu ce qui leur a été écrit par les autres. Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Alors, nous qui les connaissons, nous, c'est pourquoi nous avons commencé par donner l'histoire, comment nous les avons accueillis, et nous sommes arrivés à présenter notre espace, la terre de Babembe, qui est le Fizi Itombwe. J'ai dit un seul territoire, Fizi. Et d'ailleurs, Fizi, qui a été après deux noms, ça a commencé par être appelé le territoire de Kalembelembe, et après, c'était devenu le territoire de Babembe, et après, c'est le territoire de Fizi. Ce territoire qui comptait cinq secteurs. Et les cinq secteurs comptent jusqu'à aujourd'hui 24 groupements. Parmi les 24 groupements, 22 appartiennent au Babembe. Et deux seulement, parmi ces groupements, deux, l'un est géré par le Babouari et l'autre par nos frères de Kilembwe. De Kilembwe. Oui, monsieur le journaliste de la Voix du Kivu, pour répondre à votre question de savoir notre impression, soit nos impressions sur le travail que nous venons de faire ici à Uvira. Nos impressions sont d'une satisfaction, étant donné que les conclusions ou soit les recommandations que nous avons données, ce sont ça répond aux attentes de notre commune, de notre tribu. Et voilà pourquoi nous avons une satisfaction. Bien, à la question de la représentation. Ce forum était constitué, à notre avis, d'un échantillon valablement représentatif de Babembe. Les députés nationaux, il y en avait. Il y avait les députés provinciaux, et notamment honorable Matesso, Edi Mezoescal, et honorable Alimassi Malumbe, et bien d'autres. D'ailleurs, pour céder, je félicite et nous félicitons le travail qu'ils ont donné. Et les chefs de secteur, les chefs de groupement, sauf un qui a été chassé à cause de ce trahison. L'un des chefs de groupement a été chassé dans les assises de Babembe. Il s'agit de l'un des chefs de groupement d'Itombwe, le représentant des mutualités Muyambondo, d'à travers le monde. Pour nous qui sommes venus de Kinshasa, secrétaire général, il y a qui sont venus de l'Australie, et de Bukavu, de Bujumbura, et d'Uvira même. Le professeur d'université, nous avons salué d'ailleurs, c'est Santé qui faisait l'équipe pédagogique, le professeur Sadiki Gumbuka, le professeur Masoka, et bien d'autres, le professeur Bakari, et bien c'était des têtes qui étaient là pour conduire et pour faire le travail pédagogique de l'équipe. Il y avait le religieux, et donc la question de représentativité était tellement top. Peut-être ceux qui peuvent dire moi je n'ai pas été associé, bon, je ne sais pas, c'est pour leurs raisons. Vous savez, tout le monde a besoin d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés, même si tout ce qui a été fait par les autres est vraiment appréciable. Bien. Pour les questions, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi nous nous sommes seulement attaqués à la commune rurale de Minembwe.
C'est une commune pour nous qui a été insérée par tricherie. Parce que même tous les rapports de l'Assemblée provinciale de Bukavu à cette époque, du Sud Kivu, n'avaient pas avalisé la commune rurale de Minembwe dans son rapport. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été inséré quelque part, douce par tricherie et anarchique. Et cette création, la création de cette entité, n'a pas commencé seulement par cette assemblée provinciale, soit par ce décret. Ça a commencé depuis des années 99, et par ce que nous avons accueilli. Vous voyez, à chaque fois que le Rwandais, les Banyarwanda, prenaient possession de la gestion du Kivu, soit du Sud Kivu, la première des choses, leur première visée, leur premier acte, c'était de se créer une entité propre qui pourra être, identifiée comme l'entité de Banyarwanda. Vous voyez? Alors, pour nous, nous avons demandé au gouvernement d'annuler, de supprimer cette commune de Minembwe, étant donné que c'est une commune qui est considérée par nous comme une prime pour récompenser les tueries, les massacres et autres dégâts causés par les Banyarwanda dans cet espace physique. Vous nous avez aussi demandé pourquoi nous les appelons Banyarwanda alors que même les autorités de la RDC les appellent Banyamulenge. Bon, les autorités, il y a des autorités qui sont venues aujourd'hui, il y a d'autres autorités qui sont venues hier. Peut-être ils ont lu ce qui leur a été écrit par les autres. Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Alors, nous qui les connaissons, nous, c'est pourquoi nous avons commencé par donner l'histoire, comment nous les avons accueillis, et nous sommes arrivés à présenter notre espace, la terre de Babembe, qui est le fils Itombwe. J'ai dit un seul territoire, Fizi. Et d'ailleurs, Fizi, qui a été après deux noms, ça a commencé par être appelé le territoire de Kalembelembe, et après, c'était devenu le territoire de Babembe, et après, c'est le territoire de Fizi. Ce territoire qui comptait cinq secteurs. Et les cinq secteurs comptent jusqu'à aujourd'hui 24 groupements. Parmi les 24 groupements, 22 appartiennent au Babembe. Et deux seulement, parmi ces groupements, deux, l'un est géré par le Babouari et l'autre par nos frères de Kilembwe. De Kilembwe. Oui, monsieur le journaliste de la Voix du Kivu, pour répondre à votre question de savoir notre impression, soit nos impressions sur le travail que nous venons de faire ici à Uvira. Nos impressions sont d'une satisfaction, étant donné que les conclusions ou soit les recommandations que nous avons données, ça répond aux attentes de notre commune, de notre tribu. Et voilà pourquoi nous avons une satisfaction. Bien, à la question de la représentation. Ce forum était constitué, à notre avis, d'un échantillon valablement représentatif de Babembe. Les députés nationaux, il y en avait. Il y avait les députés provinciaux, et notamment Honorable Matesso, Edi Mezoescal, et Honorable Limassi Malumbe, et bien d'autres. D'ailleurs, pour céder, nous félicitons le travail qu'ils ont donné. Et les chefs de secteur, les chefs de groupement, sauf un qui a été chassé à cause de ce trahison. L'un des chefs de groupement a été chassé dans les assises de Babembe. Il s'agit de l'un des chefs de groupement d'Itombwe, le représentant des mutualités Muyambondo d'à travers le monde. Pour nous qui sommes venus de Kinshasa, secrétaire général, il y a qui sont venus de l'Australie,
et de Bukavu, de Bujumbura et d'Uvira même. Le professeur d'université, nous avons salué d'ailleurs, ce sont eux qui faisaient l'équipe pédagogique, le professeur Sadiki Bumbuka, le professeur Masoka, et bien d'autres, le professeur Bakari. Eh bien, c'était des têtes qui étaient là pour conduire et pour faire le travail pédagogique de l'équipe. Il y avait le religieux, et donc, la question de représentativité était tellement top. Peut-être ceux qui peuvent dire, moi je n'ai pas été associé, bon, je ne sais pas, c'est pour leurs raisons. Vous savez, tout le monde a besoin d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés, même si tout ce qui a été fait par les autres est vraiment appréciable. Bien. Pour les questions, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi nous nous sommes seulement attaqués à la commune rurale de Minembwe. C'est une commune, pour nous, qui a été insérée par tricherie, parce que même tous les rapports de l'Assemblée provinciale de Bukavu à cette époque, du Sud Kivu, n'avaient pas avalisé la commune rurale de Minembwe dans son rapport. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été inséré quelque part, douce, par tricherie et anarchique. Et cette création, la création de ces entités, n'a pas commencé seulement par cette assemblée provinciale, soit par ce décret. Ça a commencé depuis des années 99, et par ce que nous avons accueilli. Vous voyez, à chaque fois que le Rwandais, les Banyarwanda, prenaient possession de la gestion du Kivu, soit du Sud Kivu, La première des choses, leur première visée, leur premier acte, c'était de se créer une entité propre qui pourra être, identifiée comme l'entité de Banyarwanda. Vous voyez? Alors, pour nous, nous avons demandé au gouvernement d'annuler, de supprimer cette commune de Minembwe, étant donné que c'est une commune qui est considérée par nous comme une prime pour récompenser les tueries, les massacres et autres dégâts causés par les Banyarwanda dans cet espace physique. Vous nous avez aussi demandé pourquoi nous les appelons Banyarwanda alors que même les autorités de la RDC les appellent Banyamulenge. Bon, les autorités, il y a des autorités qui sont venues aujourd'hui, il y a d'autres autorités qui sont venues hier. Peut-être ils ont lu ce qui leur a été écrit par les autres. Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Alors, nous qui les connaissons, nous, c'est pourquoi nous avons commencé par donner l'histoire, comment nous les avons accueillis. Et nous sommes arrivés à présenter notre espace, la terre de Babembe, qui est le fils Itombwe. J'ai dit un seul territoire, Fizi. Et d'ailleurs, Fizi, qui a été après deux noms, ça a commencé par être appelé le territoire de Kalembelembe, et après, c'était devenu le territoire de Babembe, et après, c'est le territoire de Fizi. Ce territoire qui comptait 5 secteurs. Et les 5 secteurs comptent jusqu'à aujourd'hui 24 groupements. Parmi les 24 groupements, 22 appartiennent au Babembe. Et 2 seulement, parmi ces groupements, 2, l'un est géré par le Babouari et l'autre par nos frères de Kilembwe. De Kilembwe. Oui, monsieur le journaliste de la Voix du Kivu, pour répondre à votre question de savoir notre impression, soit nos impressions sur le travail que nous venons de faire ici à Uvira, nos impressions sont d'une satisfaction, étant donné que les conclusions ou soit les recommandations que nous avons données, ce sont ça répond aux attentes de notre commune, de notre tribu.
Et voilà pourquoi nous avons une satisfaction. Bien, à la question de la représentation, ce forum était constitué, à notre avis, d'un échantillon valablement représentatif de Babembe. Les députés nationaux, il y en avait. Il y avait les députés provinciaux, et notamment Honorable Matesso, et dit Meso Escal, et Honorable Limassi Malumbe, et bien d'autres. D'ailleurs, pour céder, je félicite et nous félicitons le travail qu'ils ont donné. Et les chefs de secteur, les chefs de groupement, sauf un qui a été chassé à cause de ce trahison. L'un des chefs de groupement a été chassé dans les assises de Babembe. Il s'agit de l'un des chefs de groupement de Tombwe, le représentant des mutualités Muyambondo d'à travers le monde. Pour nous qui sommes venus de Kinshasa, secrétaire général, il y a qui sont venus de l'Australie, et de Bukavu, de Bujumbura et d'Uvira même. Le professeur d'université, nous avons salué d'ailleurs, ce sont eux qui faisaient l'équipe pédagogique, le professeur Sadiki Bumbuka, le professeur Masoka, et bien d'autres, le professeur Bakari, et bien c'était des têtes qui étaient là pour conduire et pour faire le travail pédagogique de l'équipe. Il y avait le religieux, et donc la question de représentativité était tellement top. Peut-être ceux qui peuvent dire moi je n'ai pas été associé, bon, je ne sais pas, c'est pour leurs raisons. Vous savez, tout le monde a besoin de d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés, même si tout ce qui a été fait par les autres est vraiment appréciable. Bien. Pour les questions, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi nous nous sommes seulement attaqués à la commune rurale de Minembwe. C'est une commune, pour nous, qui a été insérée par tricherie, parce que même tous les rapports de l'Assemblée provinciale de Bukavu à cette époque, du Sud-Kivu, n'avaient pas avalisé la commune rurale de Minembwe dans son rapport. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été inséré quelque part, d'où c'est par tricherie et anarchique. Et cette création, la création de ces entités, n'a pas commencé seulement par cette assemblée provinciale, soit par ce décret. Ça a commencé depuis des années 99, et par ce que nous avons accueilli. Vous voyez, à chaque fois que le Rwandais, les Banyarwanda, prenaient possession de la gestion du Kivu, soit du Sud-Kivu, La première des choses, leur première visée, leur premier acte, c'était de se créer une entité propre qui pourra être, identifiée comme l'entité de Banyarwanda. Vous voyez? Alors, pour nous, nous avons demandé au gouvernement d'annuler, de supprimer cette commune de Minembwe, étant donné que c'est une commune qui est considérée par nous comme une prime pour récompenser les tueries, les massacres et autres dégâts causés par les Banyarwanda dans cet espace physique. Vous nous avez aussi demandé pourquoi nous les appelons Banyarwanda alors que même les autorités de la RDC les appellent Banyamulenge. Bon, les autorités, il y a des autorités qui sont venues aujourd'hui, il y a d'autres autorités qui sont venues hier. Peut-être ils ont lu ce qui leur a été écrit par les autres. Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Alors, nous qui les connaissons, c'est pourquoi nous avons commencé par donner l'histoire, comment nous les avons accueillis. Et nous sommes arrivés à présenter notre espace, la terre de Babembe, qui est le fils Itombwe. J'ai dit un seul territoire, Fizi. Et d'ailleurs, Fizi, qui a été après deux noms, ça a commencé par être appelé le territoire de Kalembelembe, et après, c'était devenu le territoire de Babembe, et après,
C'est le territoire des Fizi. Ce territoire qui comptait 5 secteurs. Et les 5 secteurs comptent jusqu'à aujourd'hui 24 groupements. Parmi les 24 groupements, 22 appartiennent au Babembe. Et 2 seulement, parmi ces groupements, 2, l'un est géré par le Babouari et l'autre par nos frères de Kilembwe. De Kilembwe. Oui, monsieur le journaliste de la Voix du Kivu, pour répondre à votre question de savoir notre impression, soit nos impressions sur le travail que nous venons de faire ici à Uvira, nos impressions sont d'une satisfaction, étant donné que les conclusions ou soit les recommandations que nous avons données, ce sont ça répond aux attentes de notre commune, de notre tribu. Et voilà pourquoi nous avons une satisfaction. Bien, à la question de la représentation, ce forum était constitué, à notre avis, d'un échantillon valablement représentatif de Babembe. Les députés nationaux, il y en avait. Il y avait les députés provinciaux, et notamment honorable Matesso, Edi Mezoescal, et honorable Alima Simalumbe, et bien d'autres. D'ailleurs, pour céder, je félicite et nous félicitons le travail qu'ils ont donné. Et les chefs de secteur, les chefs de groupement, sauf un qui a été chassé à cause de ce trahison. L'un des chefs de groupement a été chassé dans les assises de Babembe. Il s'agit de l'un des chefs de groupement du Tombwe, le représentant des mutualités Muyambondo d'à travers le monde. Pour nous qui sommes venus de Kinshasa, secrétaire général, il y a qui sont venus de l'Australie, et de Bukavu, de Bujumbura, et d'Uvira même. Le professeur d'université, nous avons salué d'ailleurs, ce sont eux qui faisaient l'équipe pédagogique, le professeur Sadiki Biomboka, le professeur Masoka, et bien d'autres, le professeur Bakari, et bien c'était des têtes qui étaient là pour conduire et pour faire le travail pédagogique de l'équipe. Il y avait le religieux, et donc la question de représentativité était tellement top. Peut-être ceux qui peuvent dire moi je n'ai pas été associé, bon, je ne sais pas, c'est pour leurs raisons. Vous savez, tout le monde a besoin d'être parmi ceux qui ont été sélectionnés, même si tout ce qui a été fait par les autres est vraiment appréciable. Bien. Pour les questions, parce que vous avez posé la question de savoir pourquoi nous sommes seulement attaqués à la commune rurale de Minembwe. C'est une commune, pour nous, qui a été insérée par tricherie, parce que même tous les rapports de l'Assemblée provinciale de Bukavu à cette époque, du Sud Kivu, n'avaient pas avalisé la commune rurale de Minembwe dans son rapport. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été inséré quelque part, d'où c'est par tricherie et anarchique. Et cette création, la création de cette entité, n'a pas commencé seulement par cette assemblée provinciale, soit par ce décret. Ça a commencé depuis des années 99 et par ce que nous avons accueilli. Vous voyez, à chaque fois que le Rwandais, et Banyarwanda, prenez possession de la gestion du Kivu, soit du Sud Kivu. La première des choses, leur première visée, leur premier acte, c'était de se créer une entité propre qui pourra être, identifiée comme l'entité de Banyarwanda. Vous voyez? Alors, pour nous, nous avons demandé au gouvernement d'annuler, de supprimer cette commune de Minembwe, étant donné que c'est une commune qui est considérée par nous comme une prime pour récompenser les tueries, les massacres
et autres dégâts causés par les Banyarwanda dans cet espace physique tombé. Vous nous avez aussi demandé pourquoi nous les appelons Banyarwanda alors que même les autorités de la RDC les appellent Banyamulenge. Bon, les autorités, il y a des autorités qui sont venues aujourd'hui, il y a d'autres autorités qui sont venues hier. Peut-être ils ont lu ce qui leur a été écrit par les autres. Peut-être qu'ils ne savent pas. Vous voyez? Alors, nous qui les connaissons, nous, c'est pourquoi nous avons commencé par donner l'histoire, comment nous les avons accueillis, et nous sommes arrivés à présenter notre espace, la terre de Babembe, qui est le fils Itombwe. J'ai dit un seul territoire, Fizi. Et d'ailleurs, Fizi, qui a été après deux noms, ça a commencé par être appelé le territoire de Kalembelembe, et après, c'était devenu le territoire de Babembe, et après, c'est le territoire de Fizi. Ce territoire qui comptait cinq secteurs. Et les cinq secteurs comptent jusqu'à aujourd'hui 24 groupements. Parmi les 24 groupements, 22 appartiennent au Babembe. Et deux seulement, parmi ces groupements, deux, l'un est géré par le Babouari et l'autre par nos frères de Kilembwe. De Kilembwe. Oui, monsieur le journaliste de la Voix du Kivu, pour répondre à votre question de savoir notre impression, soit nos impressions sur le travail que nous venons de faire ici à Uvira. Nos impressions sont d'une satisfaction, étant donné que les conclusions ou soit les recommandations que nous avons données, ça répond aux attentes de notre commune, de notre tribu. Et voilà pourquoi nous avons une satisfaction. Bien, à la question de la représentation. Ce forum était constitué, à notre avis, d'un échantillon valablement représentatif de Babembe. Les députés nationaux, il y en avait. Il y avait les députés provinciaux, et notamment Honorable Matesso, dit Mezo Escal, et Honorable Limassi Malumbe, et bien d'autres. D'ailleurs, pour céder, nous félicitons le travail qu'ils ont donné. Et les chefs de secteur, les chefs de groupement, sauf un qui a été chassé à cause de ce trahison. L'un des chefs de groupement a été chassé dans les assises de Babembe. Il s'agit de l'un des chefs de groupement d'Itombwe, le représentant des mutualités Muyambondo d'à travers le monde. Pour nous qui sommes venus de Kinshasa, secrétaire général, il y a qui sont venus de l'Australie, et de Bukavu, de Bujumbura et d'Uvira même. Le professeur d'université, nous avons salué d'ailleurs, ce sont eux qui faisaient l'équipe pédagogique, le professeur Sadiki Bumbuka, le professeur Masoka, et bien